contemporaine ne chante plus, elle rampe. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. On se tue au boulot. On se tue au boulot. On se tue au boulot. On tue, c'est notre boulot. On tue, c'est notre boulot. Où est donc passée la magie de ces contes? Car enfin, nous ne sommes plus des enfants. La belle se fait plus belle, tandis que la bête se meurt. Les requins de Nemo sont à 20 000 lieues de nos mers et tentent de noyer Simbad le marin. Ali, là-bas, dénonce en vain les 40 voleurs. Mais le voleur de Bagdad a dépassé les 1000 et une nuits, nuit n'étant plus blanche comme neige, et le génie de la lampe explose. Alors, Scheherazade voit ce sale au monde qui dévoile la reine qui s'abat. Mary Poppins se croyait à l'abri dans les transports en commun quand elle voyait que King Kong avait épousé Moby Dick pour trouver un poste de terroriste sur nos écrans. Une petite guerre pour que l'économie se redresse. L'économie se redresse. L'économie se redresse. Juste les terroristes qui servent de prétexte. Ça vous rend la vie plus belle. Où est donc passée la magie de ces contes? Car enfin, nous ne sommes plus des enfants. La belle fait gore quand elle ouvre des sarcophages. Le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons ne sont plus solidaires vis-à-vis du grand méchant loup. Mais Buffalo Bill a vite oublié l'anniversaire de l'oncle Tom et de ses invités Pocahontas et Mulan, tandis que Pinocchio ment de moins en moins bien depuis que son nez pointe sur Aladdin. Le roi lion, version sous-titrée française, observe son royaume détruit par les nounours. Dans la jungle, terrible jungle, nounours répand la mort. A wimmo wet, 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 a w
passer la magie de ces contes, car enfin nous ne sommes plus des enfants. La belle ne se fait plus la belle dans les bois souillants. La petite fille aux allumettes se multiplie dans nos rues quand Don Quichotte est en deuil sous sa tente et que le Père Noël ordonne à la petite sirène de se taire quand elle sait que Monstreau arrive quelque part. Tout comme Cendrillon a écrasé de son pied Kunta Kinte quand il a voulu crier son identité. Cet infâme balourd de Balou, infâme des familles. Il en faut peu. Aux malheureux. Vraiment très peu. Aux malheureux. Ils doivent se satisfaire du nécessaire. Un peu de coca et de McDo que leur prodigue nos natures. Et ils seront des tout ours très bien léchés. Où est donc passée la magie de ces contes? Car enfin, nous ne sommes plus des enfants. La belle s'enrichit sur le dos du clochard quand le gremlin se dévore le gizmo. Alors Barbe Bleue slame ces mots. « Oh, ma sœur, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que la terre qui merdoie et le sang qui s'y répandra. Où est donc passée la magie de l'image de mon âme d'enfant? Et tandis que Tom Sawyer et Huckleberry et Finn rappent leur désespoir, Oliver Twist slame pour vous ce soir. » C'est bon de vivre.